après une petite expérience qu'on observe, on observe qu'il y a des fois où il y a des contradictions entre. Il y a des gens qui peuvent avoir des contradictions avec les politiques qui gouvernent les pays d'Afrique. Il est évident qu'au cas où il y a des contradictions, il y a aussi quelque chose à revendiquer. Ce qui est idéal, c'est que quand on a à revendiquer, quand on a une contradiction avec qui gouverne, il faut d'abord envisager et prioriser d'autres options avant de recourir à l'option de la lutte armée. Et en cas de force majeure, quand il s'avère qu'il faut que déjà s'armer pour défendre ou revendiquer leur liberté, leurs droits. Et c'est là où nous appelons aux jeunes de s'abstenir au cas où ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, au cas où ils ne comprennent pas quelle est l'idéologie qu'on est en train de combattre et quel est le système qu'on a préparé pour instaurer après la lutte. Et dans ce cas, c'est là où nous considérons que les jeunes doivent s'abstenir à être des agents de la lutte et qu'il faut qu'ils soient de bons acteurs, c'est-à-dire qu'ils doivent être impliqués à partir de la planification jusqu'à la mise en application. Notre mouvement international de la jeunesse burundaise elle a une mission de transformer et de conscientiser, transformer la jeunesse burundaise surtout en bons acteurs pour le changement du système de gouvernance. Et dans ce cas, il y a plusieurs options qu'il faut prioriser avant de recourir à l'option de la lutte armée. Sur le terrain congolais, on apprend qu'il y a plusieurs mouvements qui sont en train de combattre. Il y a des Congolais, il y a des Burundais, il y a des Ugandais, il y en a beaucoup. Des mouvements rebelles qui sont cités par des rapports nationaux et internationaux et qui sont éparpillés partout dans la République démocratique du Congo. Moi, ce que je dirais que les jeunes qui sont enrôlés dans tous ces mouvements, s'ils ne comprennent pas de quelle lutte il s'agit, ils ont été recrutés pour être des sacrifices. Il faut qu'ils laissent le terrain à ceux qui comprennent de quel genre de lutte ils sont en train de mener. Par exemple, ceux qui veulent. Ceux qui défendent les droits, ceux qui défendent les libertés au Congo, eux, ils peuvent avoir raison d'être là, d'être des combattants, mais déjà qui ne comprennent pas, qui sont allés appuyer tel ou tel, ces gens-là, s'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire, je les prie vraiment de déserter au cas où possible.